Hello la team, c'est Mike Boyat, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de What Happened Stories, votre magazine culturel qui met en avant les artistes visuels noirs. La semaine dernière, nous étions en compagnie d'Olusi, un artiste qui vous a énormément plu, notamment avec cette œuvre que je trouve magnifique. Cette semaine, je vous propose de découvrir un artiste unique en son genre. Il nous vient de Brooklyn, New York, et il a plusieurs cordes à son arc, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais avant d'aller plus loin, vous connaissez le principe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne What Happened Stories et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Les amis, je vous propose de découvrir l'univers de Patrick Duggar. Patrick Duggar, c'est un artiste multitâche. Cet artiste autodidacte est poète, éducateur, activiste spirituel. Il a aussi enseigné dans les écoles publiques de New York. Il a travaillé comme art-thérapeute pour des enfants séropositifs. Mais il a été également directeur d'organisation artistique communautaire. And last but not least, il a travaillé en tant que batteur pour Shaq D du groupe Public Enemy et la sublime Shade Adu, qu'on ne présente plus. Patrick Duggar, c'est avant tout un artiste réputé pour ses collages et ses peintures mixtes. À travers son œuvre, il cherche à inspirer et à célébrer les personnes d'origine africaine et à relier la culture urbaine afro-américaine à ses racines dans l'art, la spiritualité et les rituels africains sacrés. Alors, ce qui fait l'essence de ses œuvres, c'est bien évidemment leur force spirituelle. Vous remarquerez que dans chacune de ses œuvres, il y a toujours une auréole qui entoure le personnage principal. Alors Patrick Duggar dit de son processus créatif que c'est avant tout une pratique spirituelle. C'est quelqu'un qui se laisse inspirer, guider par une source supérieure, une source qui le dépasse. Comme on peut le voir dans ses œuvres, on se rend bien compte que la spiritualité joue un rôle essentiel dans sa vie. Il faut dire qu'il a exploré de nombreuses religions, du christianisme au bouddhisme en passant par le rastafarisme et l'islam. Pour lui, toutes les religions mènent vers la vérité, mais la vérité est une. Le cœur de son travail, ce qui lui a permis en fait d'avoir une certaine reconnaissance au niveau artistique, c'est bien évidemment God Body. Dans God Body, il a imprimé sur des canettes de boisson des personnages plus ou moins illustres, mais qui détiennent cette formidable force spirituelle dont il est toujours en quête. Pour Patrick Duggar, chaque être est une incarnation de la beauté et est forcément divin par nature. Aussi, il se focalise à mettre en valeur cette beauté. Comme vous avez pu le constater, le choix de Patrick Duggar s'est porté essentiellement sur les personnes noires. Car pour lui, son œuvre vise à attirer l'attention sur l'inégalité de la représentation des personnes de couleur dans l'art occidental. Alors mon plus gros kiff, c'est bien évidemment cette œuvre. On voit cet homme qui ressemble étrangement à Martin Luther King, qui s'agenouille. Histoire de rappeler le geste symbolique de ce footballeur professionnel Colin Kaepernick qui avait manifesté son hostilité aux violences policières. Voilà les amis, c'était la story de Patrick Duggar, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un autre What Happened Stories. Prenez soin de vous, ciao ciao.